been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside, just stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done. You won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Before you go to sleep, keep up, I shine. You surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Bonjour à tous, je suis Kratos. Le 20 novembre 2021, j'ai réalisé une vidéo intitulée « Automatiser la création de machines virtuelles » qui, comme son nom l'indique, permettait entre autres l'automatisation de la création de machines virtuelles. Dans ce dossier, nous avons créé trois sous-dossiers. Un dossier base contenant nos bases, encore une fois, vous verrez plus tard ce qu'est une base, un dossier VLS pour le stockage de nos machines virtuelles et un dossier VHDS pour le stockage de nos disques durs virtuels. Bien que cette vidéo ne soit pas parmi les plus populaires ayant fait le plus de vues, j'ai tout de même reçu des retours relativement appréciables et je vous en remercie. Ça fait désormais de nombreux mois que cette vidéo est sortie, et à vrai dire, je me rends compte que le code n'était pas totalement optimal, et surtout, j'ai récemment été confronté à la création d'un projet, on va dire, similaire à celui de la vidéo, et j'en ai profité pour bosser sur une nouvelle version de ce projet, de ce script. Parler de projet est un bien grand mot, mais cette fois-ci, ce script sera bien plus avancé, bien plus intéressant, et je pense très honnêtement qu'il sera utile à de nombreuses personnes. Surtout parmi ceux qui ont un besoin en création de machines virtuelles de manière régulière, dans un contexte le plus souvent d'apprentissage, en utilisant des outils tels que Hyper-V. Bien évidemment, je n'ai pas réinventé la roue avec ce projet, il ne s'agit d'ailleurs en rien d'un projet ou d'une solution révolutionnaire. Toutefois, à ma connaissance, aucun outil de ce type aussi complet n'existait avant celui-ci, c'est aussi pour ça que je l'ai mis en place. Je n'ai strictement jamais vu un outil open source permettant autant d'appuyer une certaine forme d'assistance pour la création de machines. Cette nouvelle version embarque de nombreuses fonctionnalités, dont certaines fonctionnalités similaires avec celles qu'on a pu voir dans l'ancienne vidéo, mais cette fois-ci avec quand même des fonctionnalités qui ont été améliorées. Alors, il y a entre autres la création de machines virtuelles vierges, la création de machines préconfigurées, mais tout a été optimisé. Il n'y a pas réellement de nécessité d'avoir des ressources en amont. Du moins, les ressources vont être téléchargées par le script si elles ne sont pas identifiées. En fait, tout est véritablement cette fois-ci clé en main. Le script est capable de détecter les ressources existantes et de prendre des décisions. Typiquement d'aller chercher les ressources lui-même sur mes serveurs ou des serveurs externes en fonction de la ressource souhaitée. En effet, si vous avez besoin de créer une machine Kali Linux, il n'y a pas forcément d'aller besoin sur mon serveur, non, il va aller directement taper l'ISO sur les serveurs de Kali officiels. En revanche, s'il s'agit par exemple de créer une machine virtuelle préconfigurée d'un Windows serveur, eh bien, ce sera une machine que j'aurais créée précédemment. Alors la création de machines préconfigurées fonctionne à peu près de la même manière qu'on a pu le voir dans mon ancienne vidéo avec un système de disque parent, etc. Encore une fois, on retrouve certaines fonctionnalités existantes, mais qui, encore une fois, le plus souvent, ont tout de même été améliorées. Alors, bien évidemment, il y a des fonctionnalités très basiques, mais des fonctionnalités de gestion de commutateurs, des gestions de machines virtuelles, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce projet est open source, d'accord ? Il a été publié sur GitHub, donc la particularité, c'est qu'il va évoluer avec le temps. Les fonctionnalités vont petit à petit être améliorées, il va y avoir des ajouts, et quiconque souhaitant participer au projet peut en faire la demande. Pour télécharger et utiliser mon script, il vous suffit de vous rendre sur le lien GitHub que vous trouverez dans la description, descendre un petit peu plus bas, et en dessous de la présentation du projet, vous trouverez quelques commandes utiles à entrer donc dans votre terminal. Vous pouvez bien évidemment changer le paramètre de la destination pour le mettre par exemple sur un disque dur externe, ce que je vais faire. Une fois que vous avez télécharger le script, il vous suffit de le lancer. Alors si vous n'avez pas changé la politique d'exécution des scripts PowerShell, eh bien
utilisez simplement la commande, encore une fois, qui se trouve sur GitHub. N'oubliez simplement pas de changer le -paf. Si vous avez changé le paramètre destination au moment du téléchargement, et vous pouvez voir que le script se lance. Configurez-moi, ce que je vous conseille de faire dès le premier lancement du script, c'est dans un premier temps d'aller dans la gestion des ressources, en appuyant donc sur la touche 5, et vous pouvez voir que vous avez différentes options. Alors pour ceux qui ont de la place et qui vont faire plein d'environnements, je vous conseille de cliquer sur Download All de ressources, comme ça vous êtes tranquille, vous avez toutes les ressources. Maintenant, il y a également une autre fonctionnalité que je recommande fortement, c'est bien évidemment, d'ailleurs c'est spécifié juste ici, donc la fonction de quelque sorte personnalisation. C'est un téléchargement en quelque sorte interactif. Je vais vous montrer en quoi ça l'est. J'ai appuyé sur la touche 4, il vous demande si vous souhaitez utiliser au sein de vos environnements que vous allez créer, de vos machines virtuelles, des machines virtuelles sous Windows. Si vous mettez non, passe directement aux machines Linux. D'accord ? Alors, moi, je vais relancer le script. En revanche, si vous mettez oui, eh bien là, on va commencer à vous demander, ok, alors est-ce que vous voulez une Windows Entreprise ? Est-ce que vous voulez une Windows 10 Pro ? Est-ce que vous voulez une Windows Server ? Et ensuite, très important, est-ce que vous voulez la base ? La base, c'est pour les machines préconfigurées. Il effectue, avant le téléchargement, une petite vérification et vérifie si la ressource est déjà existante ou non. Il a fait une vérification pour l'ISO de PFSense, il a vu que l'ISO de PFSense n'était pas dans l'arborescence, donc il l'a automatiquement téléchargé. Vous pouvez voir que la gestion de ressources est assez propre. Et donc, une fois que vous avez vos ressources, alors en vérité, cette étape n'est pas obligatoire, simplement elle vous permet de, je dirais, de gagner du temps, de vous préparer en amont. Pourquoi je dis qu'elle n'est pas nécessaire? Parce que, admettons que je souhaite créer une machine virtuelle sous Debian, mais je ne l'ai pas spécifié dans ma gestion de ressources. Eh bien, on va essayer. Il me demande le nom de la machine, la carte réseau, je ne vais pas en mettre, et ensuite, eh bien, il va vérifier si, avant de créer la machine, si évidemment les fichiers, les ressources nécessaires à la création de la machine sont bien dans l'arborescence ou non. Donc pour résumer, si l'ISO de Debian existe ou non dans mes fichiers. Il a vu que l'ISO n'existait pas, donc il a été le télécharger par lui-même. Encore une fois, la fonctionnalité de gestion des ressources que je vais vous montrer est un plus, mais elle n'est pas obligatoire. Si vous avez oublié de spécifier une machine, c'est pas dramatique. Vous pourrez quand même accéder aux autres fonctionnalités. Alors l'avantage, si vous souhaitez créer des labs, c'est que vous avez la possibilité de recréer la même machine avec les mêmes caractéristiques. Donc de nouveau 16Go, 1Go de RAM, le nom simplement va être changé, hein, et la carte réseau aussi. Mais typiquement, la plupart du temps, quand vous créez des labs, vous avez besoin de créer, je sais pas, plusieurs clients, plusieurs serveurs, avec généralement les mêmes caractéristiques. Ou alors il va y avoir un changement, et puis là vous pourrez le faire directement. C'est vrai que tout est réellement simplifié. Maintenant vous avez pu voir que j'ai quand même fait des téléchargements dans ma gestion des ressources. Donc on va appuyer sur l'étape 2, la génération de machines virtuelles préconfigurées. Je vais aller sur une Windows Entreprise, et là je vais taper WinEnt. Quand je vous ai dit que vous allez gagner du temps, c'est bien parce que contrairement à Debian, que vous avez pu voir là où j'avais pas les ressources, eh bien où il y a eu quand même un téléchargement de fait, un petit temps d'attente, là vous pouvez voir que c'est quasiment instantané. Typiquement, hein, si je décide de créer une PFSense, vous pouvez voir, alors je spécifie quand même les paramètres, que la création est quasiment instantanée, il n'y a aucun téléchargement. Le seul temps d'attente, à la limite, c'est le temps d'attente pour la création du disque dur, qui prend le plus de temps. Et encore plus de temps, ça prend quelques secondes. Alors il y a des fonctionnalités basiques, de suppression de VM, alors démarrer une VM, éteindre une VM. Alors l'ICMB est particulièrement utile. Alors il y a énormément de conditions. Encore une fois, le script a bien été fait, donc avant de supprimer les machines et vérifier si elles sont bien éteintes, si elles ne sont pas éteintes, il va les éteindre. Pareil pour la fonctionnalité de lancement des machines, il va vérifier l'état actuel des machines avant de prendre une décision. Mais la fonctionnalité intéressante aussi avec l'ICMB, donc vous avez terminé de faire un lab, vous souhaitez tout supprimer, alors ça supprime tout, mais contrairement à une utilisation basique d'Hyper-V où vous allez supprimer une machine et où le disque dur est encore existant et vous allez devoir manuellement tout supprimer, là il va aller supprimer automatiquement tous les disques durs virtuels. Donc il va non seulement supprimer les machines dans Hyper-V, mais il va également faire un réel nettoyage en allant supprimer tous les disques durs virtuels qui ont été créés et qui sont associés aux machines virtuelles.
Donc pour l'instant, la gestion des switches virtuels, des commutateurs virtuels est peu avancée. Plus tard, je pense que je vais y ajouter des... on pourrait spécifier, pourquoi pas peut-être des VLAN, des gestions de la bande passante, tout ce genre de choses. J'aimerais vous montrer un exemple concret de la fonctionnalité de création de machines préconfigurées. Ce principe existait déjà dans mon ancienne vidéo. Je vous ai présenté un système similaire. Il s'agissait des fameuses bases. L'une des différences, c'est que cette fois-ci, les machines ont été sysprépées, ont été généralisées. C'est-à-dire que le SID, cette fois-ci, sera unique pour chacune des machines. Il ne sera pas toujours le même, ce qui peut éviter certains soucis. Pour vous donner un exemple concret, en entreprise, ça peut arriver à tout le monde de commettre une erreur, mais cette erreur leur a coûté cher, puisqu'en oubliant de réaliser un sysprep sur la machine, ils ont déployé donc sur le parc informatique un bon nombre de machines, avec des machines ayant toutes le même SID, et cela a fini par causer de nombreux soucis au sein de ce parc, puisqu'apparemment il y avait un problème d'identification au niveau des machines. Elles étaient toutes dans le même domaine, mais certaines machines, ou même la grande majorité des machines finalement, sortaient du domaine, et tout était lié à ce fameux SID. Alors même s'il ne s'agit pas d'un environnement en production, et qu'en principe on peut dans ce cadre-là se permettre quelques libertés, autant bien faire des choses. J'ai préféré vous fournir des bases sysprépé. Bien évidemment, la phase de l'OOBE sera passée. Je vais synthétiser. Quand vous allez démarrer votre machine, la personnalisation, la phase de l'OOBE va être personnalisée automatiquement, va être configurée automatiquement grâce au fichier de réponse, aux informations fournies dans celui-ci. Et donc, vous arriverez sur un bureau en quelque sorte déjà prêt. L'utilisateur sera créé grâce à l'OBE. Vous aurez un environnement de travail déjà prêt. Bon, un exemple sera bien plus parlant. Nous allons sélectionner le choix numéro 2 pour la création de machines préconfigurées. Puisque j'ai déjà téléchargé les ressources en amont depuis ma gestion des ressources, ma fonctionnalité de gestion des ressources, eh bien, vous pouvez voir que la création s'effectue en quelques secondes seulement. Et je vais désormais créer une machine, cette fois-ci une Windows Server. Donc WinSRV-1. Dans le menu principal, je vais cette fois-ci aller dans la gestion des machines virtuelles, puis je vais toutes les démarrer. Je peux me rendre sur Hyper-V. Mes machines sont en train de se lancer. Ma Windows Entreprise est à gauche et ma Windows Server se trouve, quant à elle, à droite. Et désormais, il ne vous reste plus qu'à spécifier un mot de passe sur votre serveur. Je me connecte à la session. Vous pouvez voir qu'à gauche, ma machine en Windows Entreprise est également en train de charger, mais pour celle-ci, vous n'avez même pas besoin de mot de passe en fait. Un compte local est automatiquement créé. En attendant que ma machine sous Windows Server finisse de charger, je vais vous montrer l'état de ma machine sous Windows Entreprise. Vous pouvez voir que de nombreux logiciels sont déjà installés. Vous avez un navigateur internet pour remplacer Edge. Vous avez Putty, VS Code, WinSCP, VLC, Wireshark, IDEA. Bon, ce sont des petits logiciels qui ne prennent pas beaucoup de place. D'autant plus que ce système prend très peu de place puisqu'il s'agit encore une fois d'une Windows Entreprise. Mais c'est une Windows Entreprise bien particulière et elle inclut très peu de logiciels, du moins très peu de logiciels superflus. Vous pouvez voir que c'est un pur plaisir de ne pas se retrouver avec toutes les applications superflues, Maps, Bubble Crush Saga, Mail, je ne sais quelle application. Autre élément très important à prendre en considération, il faut savoir que la version utilisée, le système utilisé, elle est une Windows Entreprise LTSC. Ça a son importance, puisque, alors vous pouvez déjà le remarquer, elle n'inclut pas Cortana. Il me semble que dans la version classique de Windows Entreprise, il y a Cortana par défaut. Il y a également bien plus de mises à jour, alors que la LTSC possède un canal de maintenance à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, cela veut dire qu'on ne vous embêtera pas toutes les 5 minutes avec des nouvelles mises à jour. Vous pouvez voir, la machine s'est lancée sans problème. Nous avons également nos outils en quelques secondes. Tout au plus, si vous avez un ordinateur assez lent, en quelques minutes seulement, vous pouvez voir que vous avez déjà des machines fonctionnelles. Je vais retourner dans mon script. Dans la gestion des machines virtuelles, je peux décider donc d'éteindre toutes mes machines. Vous pouvez voir qu'elles s'éteignent bel et bien. Et
cette fois-ci, je vous propose de tester la fonctionnalité donc 10CMB pour supprimer complètement notre lab. Alors, détail important, bien évidemment, les machines sont supprimées, les disques durs virtuels de ces machines sont supprimés, ce qui n'est, je le rappelle encore une fois, pas fait par défaut avec Hyper-V, mais bien évidemment, les ressources, quant à elles, sont gardées. Alors, si je décide de quitter le programme et que je vous montre l'arborescence, vous pouvez voir que le répertoire base existe toujours. Si j'affiche le contenu du répertoire, vous pouvez voir que mon VHDX, que mon disque dur virtuel, n'a pas été supprimé, bien évidemment. J'aimerais vous parler d'un dernier point qui me paraît très important. Vous avez pu voir qu'avec une telle solution, un tel script, vous pouvez gagner énormément de temps. Mais il faut savoir que ce script peut également être une solution pour résoudre un problème qui fait perdre énormément de temps à énormément d'étudiants. Les écoles peuvent être parfois confrontées à des problèmes de bande passante, et ce même si l'infrastructure est bien gérée. Et quand une école est confrontée à ce genre de problème, c'est catastrophique, particulièrement dans les écoles qui forment au métier, c'est-à-dire des systèmes et des réseaux, puisqu'il y a un besoin en création d'infrastructures, et pour créer ces infrastructures, il faut forcément télécharger des ISO sur Internet. Très souvent, c'est les étudiants qui vont mettre en place les labs, et... Alors bon, il suffit du moindre problème, encore une fois, au niveau de la bande passante, et cela ralentit considérablement le cours. Pour limiter le plus possible les risques, et surtout pour optimiser au mieux le temps de mise en place des infrastructures, alors, ce script sera très utile déjà pour optimiser ce temps de mise en place. Ce script peut être modifié. Plus précisément, les sources d'installation peuvent être modifiées. Pourquoi je dis ça? Une école a totalement les moyens d'héberger les images, par exemple, les différentes ressources, sur leur serveur, et dans le script, de changer les sources d'installation et de les faire pointer vers leur serveur. Alors pourquoi? Parce que si un étudiant, du coup, utilise cette version modifiée du script avec leur source d'installation, les ordinateurs vont aller chercher les ressources directement en local et ne vont pas passer par Internet. Alors, imaginez-vous le gain de temps, la différence de rapidité qu'il pourrait y avoir en allant chercher les ressources directement en local. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce script vous sera utile. Le lien de téléchargement se trouve dans la description. Si vous avez la moindre remarque ou question, les commentaires sont faits pour ça. C'était Kratos. Et n'oubliez pas de liker et vous abonner.